Merci beaucoup. Comment ça va? Vous voyez tout? Vous voyez maintenant? You see my screen? No, not yet. No? Maybe stop sharing and start again. No, no. Now it's coming. Now I can Okay. see it. Ça a pris un peu de temps. Je m'excuse. Alors, je vais faire cette présentation en français maintenant. Aussi sur le DOSG, l'introduction sur le DOSG, une vue d'ensemble. Alors, je vais parler pourquoi est-il important d'être indexé dans le DOIHCH. On dit en français DOIHCH souvent. Critères de base pour l'inclusion. Vraiment les critères de base. Comment faire la demande d'inclusion dans le DOSG. Le processus de demande. Qu'est-ce qu'on fait dans le DOIHCH pour examiner votre demande. Les raisons courantes de rejet, parce qu'il y a souvent des pays, aussi des éditeurs qui se complaignent pour non être acceptés par le DOIHCH, souvent, et ils ne comprennent pas pourquoi, et qu'est-ce qu'il y a une aide disponible. Alors, le DOIHCH est fondé en 2003, avec seulement 300 revues. Et c'est un service indépendant et sans but lucratif. C'est un service d'indexation comme le Scopus et aussi le Web of Science. Notre objectif est d'améliorer le profil et la visibilité et l'impact des revues l'accès libre. Les critères que les revues doivent respecter pour être incluses sont de base et presque toutes les revues en accès libre seraient possibles d'être incluses dans le DOIHCH. Tous nos services sont entièrement gratuits. Alors, il faut le dire souvent parce que souvent les gens ils pensent. Il faut payer pour être indexé. Il faut payer pour n'importe quoi. Alors, combien de revues on a maintenant? On a 17 000 et plus dans le monde entier. Il y a 12 000 de 17 000 qui n'ont pas de frais de publication, pas de APC. On couvre aussi 130 pays et 80 langues. Et il y a aussi 7 millions des articles enregistrés. C'est-à-dire on peut accéder des articles par le site web de DOSG pour un nombre de revues, pas du tout. On peut voir un peu où il y a les revues qui sont enregistrées dans le DOIHCH. Ils sont centrés aussi dans l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Europe, mais il y a pas mal de Chine. Il y a aussi beaucoup de revues de l'Indonésie. Et en Afrique, malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Les revues africaines, c'est moins de 2% dans le DOIHCH. Il y a des raisons pour ça. Aussi que les gens ne savent pas qu'il y a le DOIHCH qui est là. Ils veulent être dans un autre service d'indexation, le Scopus par exemple. On a plus de 100 revues seulement de l'Afrique du Sud et tous les autres pays, il y a moins. Il y a même beaucoup de pays qui n'ont pas de revues enregistrées dans le DOIHCH. Et par exemple, Cameroun, Congo, Gambie, seulement une revue qui est enregistrée. On travaille avec l'Afrique, avec des partenaires en Afrique, pour améliorer cette situation.
On a réussi à être reconnu par le gouvernement d'Afrique du Sud, d'Éthiopie et aussi, je pense, plus ou moins d'Algérie. Pas officiellement, mais il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. On collabore avec l'AJOEL, l'ASAF, l'IFEL, l'IPSANS. L'IPSANS, c'est une organisation qui est liée avec le WACREN, Research Education Network, West Africa, et l'UCT, l'Université de Cape Town, sur des projets en Afrique pour avoir de bonnes revues en langue africaine aussi, et en langue française, portugais, toutes les langues qu'on peut penser. Nos priorités sont de mettre en évidence les meilleures pratiques et en matière de libre accès pour tous les éditeurs, accroître la couverture de bonnes revues africaines pour ce moment. On va avoir beaucoup de travail sur améliorer la couverture de revues africaines pour les ans prochains. Et on accepte les revues en français, anglais, portugais, toutes les langues. Il y a aussi des revues qui sont en langue locale dans des pays comme Nigeria, le Cameroun, qu'on peut accepter quand ils sont bons pour les critères qu'on a. On a des ambassadeurs qui sont des gens qui s'occupent de politiques, plus ou moins, et aussi pour aider des éditeurs dans les pays africains. Il y a cinq qui sont là pour vous. Quand il y a des problèmes, quand vous voulez savoir des choses spécifiques pour votre pays, ce sont les gens qui sont là pour vous, qui savent beaucoup de DOIWASH, de tous les processus pour être dans l'index et pourquoi. On a aussi beaucoup de rédacteurs volontaires. Afrique, ils sont dans Algérie, Kenya, Mali, Maroc, Tunisie, Nigeria. Ce sont des gens qui font les révisions des revues, qui examinent des revues pour être acceptées dans le DOIWASH. Et qui ont les langues, qui parlent les langues, qui écrivent les langues, qui sont dans les revues qu'ils ont examinées. Pourquoi est-il important? Alors, il est important pour être dans le DOIWASH, parce que quand on est là, ça dit qu'on a une bonne pratique de publication. Aussi, votre visibilité va être augmentée profondément. Il y a beaucoup plus d'auteurs qui veulent être publiés dans votre revue. Et il y a beaucoup plus de lecteurs qui vont voir qu'il y a une revue sur leur sujet, leur intérêt. Il faut aussi dire que être dans le DOIWASH, ça renforce la réputation et l'impact. On ne veut pas dire l'impact comme le Web of Science, Impact Factor, mais l'impact social, par exemple, l'impact pour améliorer toutes les conditions humaines dans certains pays, par exemple pour l'agriculture et des autres sujets. Humains, sciences humaines aussi pour les médecins. Et c'est souvent vu comme une première étape vers l'inclusion dans Scopus of Web of Science. Il faut dire que être dans le Scopus of Web of Science, c'est aussi quelque chose qui est quand même difficile, mais il faut savoir quand on est dans le DOIWASH, toutes les revues qui aussi sont acceptées dans le Scopus, ils sont seulement acceptés quand ils sont en accès libre, quand ils aussi sont dans le DOIWASH. C'est pour ça qu'il y a une première étape vers l'inclusion dans le Scopus ou le Web of Science.
Quels sont les critères de base? Well, critères de base, premier critère, c'est qu'il y a une meilleure pratique en matière de publication. Il y a un document, des principes de transparence et une meilleure pratique dans l'édition savante qui est développé par le DOAJ, COP, OASPA et BAME. Il y a un autre document qui est en train d'être travaillé là-dessus. Alors, ces principes, c'est la base pour les revues, pour publier les revues qui sont dans le DOAJ. Tout le contenu des revues en ligne doit être gratuit. C'est une première chose qu'on exige. Et en libre accès, une version imprimée payante est autorisée. Souvent, les gens pensent que tout doit être gratuit, mais c'est pas ça pour une version imprimée. Il faut avoir un accès immédiat. Il n'est pas possible d'avoir de retard, d'embargo. On ne va pas accepter les revues qui ont d'embargo. Il ne faut pas avoir une obligation d'enregistrement pour les lecteurs. Alors, quand on veut publier dans une revue, souvent les gens demandent de s'enregistrer et c'est tout à fait bon. Mais il ne faut pas qu'on seulement peut voir le contenu des revues quand il est enregistré, quand on est enregistré. Alors, c'est ça que je veux dire ici. Et les revues doivent afficher clairement une déclaration d'accès libre et adhérer à la définition de l'accès libre de DOAJ qu'on peut voir sur notre site web. Mais la définition est assez beaucoup de mots là. Et ça veut dire qu'il faut avoir un accès libre immédiat et il faut aussi qu'on peut utiliser tout le contenu des revues, tous les articles, d'après les critères de licence utilisés par les revues. Ce qu'on veut aussi, c'est que les revues publient activement. Hein, on ne peut pas avoir une revue qui ne publie pas pour 5 ans, qui n'a pas publié depuis 2010, un truc comme ça. Il faut avoir une histoire de publication. Il faut publier activement. Il faut avoir au moins 5 articles de recherche. Alors, les éditoriales ne sont pas des articles de recherche. Il ne faut pas compter les éditoriales là-dessus. Tout domaine de recherche universitaire sont acceptables. On ne dit pas les revues d'un certain sujet, ils ne sont pas acceptés. On accepte toutes les langues, je le dis beaucoup de fois maintenant, mais c'est vraiment très important. On n'a pas besoin d'anglais du tout. Et c'est très important pour l'équité. Une histoire de publication ininterrompue, peut-être il y a une petite interruption pour quelques mois ou autre chose. Quand il y a ça, il faut dire qu'il faut nous contacter et dire pourquoi on est à une publication interrompue et on ne veut pas vous enlever de notre base d'index. Autrement, il peut se passer qu'on est enlevé. Les nouvelles revues doivent publier au moins 10 articles. Quand on a une revue qui a seulement un an, publie depuis un an, ou bien qui a changé de publier en accès libre depuis un an, il faut qu'ils publient au moins 10 articles avant de faire une application. Le site web doit être clair. Il faut avoir une page d'accueil. Il faut avoir les articles en texte intégral et pas seulement tous les articles ensemble dans un grand PDF. Il faut avoir les articles individuels. Le ISSN doit être enregistré et aussi confirmé.
Il ne faut pas avoir des informations de métriques trompeuses, alors des facteurs d'impact de global impact factor, les choses comme ça, ou informations similaires qui sont trompeuses. Il ne faut pas avoir de publicité dans le sens de pop-ups, choses qui ne sont pas bonnes pour l'accès. Et on recommande une site web sécurisé, HTTPS. C'est mieux d'avoir ça, mais ce n'est pas nécessaire. Sur le site web, il faut avoir une information sur l'objectif et les champs d'application. Alors, il ne faut pas avoir des revues qui publient n'importe quoi dans toutes les disciplines. On n'accepte pas qu'il y a une revue comme ça dans le DOH. Les revues doivent avoir un certain champ d'application. Il faut aussi décrire la politique d'accès libre sur le site web. Il faut aussi dire quelque chose sur les frais d'auteur, même s'ils sont nuls. On n'accepte pas que les auteurs doivent juste penser que c'est bon ou pas. Les instructions pour les auteurs doivent être complètes. Il faut y avoir des coordonnées de contact et le comité de rédaction, très important, doit avoir les affiliations de tous les membres parce que comme ça, on peut aussi dire que les gens sont là, qu'ils sont vraiment actifs dans cette discipline que la revue publie là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait ici pour, dans le DOH en processus éditorial? Alors, les revues doivent utiliser un processus d'examen rigoureux. Ça veut dire la révision par les pairs est obligatoirement. Au moins deux examinateurs indépendants doivent être là. Alors, il ne faut pas avoir des gens qui sont liés à la revue comme examinateur et la révision par les pairs. On accepte seulement une révision éditoriale dans les revues d'art et de sciences humaines. Et il faut y avoir deux éditeurs comme ça. On comprend que dans cette discipline, c'est normal d'avoir une révision éditoriale. Il faut avoir une supervision de la faculté quand il y a des revues étudiantes. Ça veut dire qu'il faut avoir deux gens qui ont fait une PhD qui supervise cette publication, au moins deux. La vérification du plagiat est recommandée, je pense que c'est très important. Ici, on va dire que c'est difficile de faire une vérification de plagiat dans d'autres langues comme de l'anglais. Il y a des programmes d'ordinateur qui font ça pour les autres langues. Mais normalement, il va y avoir une description de ce processus de vérification de plagiat. On n'existe pas un programme d'ordinateur. Il faut aussi décrire votre processus de révision sur le site web en détail. Et il ne faut pas avoir une copie de notre revue qui fait une description de ce processus de révision, ce qui passe souvent. Alors, il y a beaucoup de types de peer review. Je ne vais pas tout expliquer, mais on a le single blind, le double blind, qui sont les plus connus, je pense. Aussi, on a open peer review. Ça veut dire on peut savoir qui fait la peer review et aussi les gens, les auteurs et les gens qui font le peer review connaissent l'un d'autre. C'est une autre mode de peer review et on accepte toutes les modes de peer review qui sont acceptés par la communauté mondiale. Mais il y a beaucoup d'évolutions là-dedans maintenant.
Les licences sont fondamentales pour l'accès libre. Ils disent ce qu'on peut faire avec un travail d'auteur. Ça informe le lecteur sur la manière dont ils peuvent réutiliser. Ça protège aussi l'auteur et la revue contre une utilisation non autorisée. Donc, les licences sont vraiment fondamentales. Le DOAS recommande l'utilisation de licences Creative Commons ou équivalent. Et ce n'est pas nécessaire alors d'avoir la licence Creative Commons, mais on recommande. Il n'y a pas de frais pour l'utilisation des licences. On a cette question souvent, mais quand on utilise des licences Creative Commons, qu'est-ce qu'il faut payer? Rien. Il ne faut pas payer. Alors, il n'y a pas quelque chose qui dit qu'on ne peut pas les utiliser parce que c'est trop cher. Il faut indiquer vos conditions de licence sur le site web de la revue. Il faut être sûr pour les auteurs ce qui se fait avec l'accès libre pour cette revue. Alors, ici sont les différentes licences. Le plus ouvert, le BY, CC BY, et le moins ouvert, c'est le BY NC-ND. On ne peut pas faire des travaux commerciaux avec ça. On peut aussi rien changer dans un article. Et ça, ce sont les types et qui sont expliqués dans un autre webinaire plus tard, dans cette série. Les droits d'auteur sont aussi très importants. Il y a deux possibilités pour le DOAS. Les droits d'auteur qui sont détenus par l'auteur ou bien ils sont transférés à l'éditeur. La meilleure pratique, c'est d'être droit d'auteur qui est détenu par les auteurs. Mais on n'existe pas ça. C'est la meilleure pratique. Il faut indiquer votre politique en matière de droits d'auteur. Il ne faut pas dire l'auteur a détenu les droits d'auteur et aussi dire sur le site web que copyright exclusive pour la revue. C'est pas possible. Et il faut aussi que nous recommandons de fournir un lien vers l'accord d'auteur. Quand il faut signer un document, il faut avoir un lien que nous, les éditeurs de DOAS, peuvent contrôler. Comment faire une demande pour être inclus? Alors, il faut faire une demande, c'est la première chose. On ne va pas demander aux revues de faire une commande. Il faut faire une demande vous-même. Il faut utiliser un formulaire de candidature là. On a un nouveau formulaire avec beaucoup moins de questions qui est très simple à comprendre, je pense, et aussi assez simple à accomplir. Toutes les revues doivent respecter tous les mêmes critères de qualité. Alors, les questions sont les mêmes pour toutes les revues. Il n'y a pas que quelques revues ne doivent pas avoir certains critères. Ils sont tous évalués dans le même sens. Cette formulaire a cette partie. Il y a une conformité à l'accès libre, cette accès libre, déclaration de l'accès libre. À propos de la revue, ce qu'on fait, quelle discipline, etc. Le droit d'auteur, la licence, information rédactionnelle avec les affiliations des rédacteurs, modèle d'entreprise avec les frais qu'on va payer ou pas, une meilleure pratique et comment, comme par exemple l'archivage, et réviser les réponses quand on a fait toute la formulaire dans environ 30 minutes. La meilleure pratique, c'est une
une conservation numérique, parce qu'il y a pas mal de revues qui sont disparues et qu'on ne peut jamais voir un article qui est publié là-dedans, ce qui est très dommage. Conservation numérique, c'est important. On ne va pas exiger ça, c'est très important. Une politique de dépôt, que les auteurs peuvent aussi faire leur article dans une dépôt, quelque part, de leur choix. Il faut aussi, on recommande d'avoir direction persistant pour être mieux possible de trouver les articles, le DOI, par exemple. On aussi recommande une ORCID ID, une identification d'auteur. Identification d'auteur, ça veut dire qu'on peut avoir des noms qui sont très dans le même sens, Smith, et on ne peut pas savoir qui est Smith, quel Smith a publié quoi. ORCID ID va résoudre ce problème. De distinguer avec les noms qui sont presque les mêmes. Critères pour les citations ouvertes qui sont aussi importants. Critères parce que comme ça, on peut avoir accédé à toutes les références de tous les articles qui ont été publiés. Et dans notre formulaire, il y a une question sur ça. Est-ce que vous respectez les critères pour les citations ouvertes et est-ce que vous acceptez les enquêtes ou utilisez les enquêtes? Comment on fait quand vous avez fait votre application? Alors, quand vous avez fait votre application, ça va être révisé, examiné par notre équipe de rédaction. Ce sont les groupes dans le monde entier qui parlent leur langue et qui font faire une recommandation pour accepter ou pas. Un rédacteur du DOAG va faire la décision, et quand c'est accepté, il va être inclus dans le DOAG. Quand c'est pas accepté, il va avoir une email, une communication avec les éditeurs de revues, et qui peuvent améliorer leur application, ou bien il faut appliquer après être rejeté dans 6 mois. La première étape pour être dans le circuit d'évaluation, c'est une triage. Une triage, ça veut dire toutes les revues qui tombent tout de suite sont là. Et ce sont des critères qui sont assez importants et qu'on doit avoir. 40% des applications sont enlevées ici dans cette stade de triage. On a eu l'an passé plus de 10 000 applications et une tiers est acceptée au moyen. Ça ne veut pas dire que tous les pays ont été acceptés. Parce qu'il y a des pays qui ont beaucoup moins accepté, il y a des pays qui ont beaucoup plus accepté. Et on prend à peu près 3 mois pour examiner les applications qui viennent. On a une équipe de 120 personnes, les rédacteurs de DOAG et les volontaires. Il y a des raisons pour un rejet immédiat, par exemple dans le triage, hein, que, quand le journal n'est pas accès libre, quand le journal, la revue n'a pas une ISSN ou pas une ISSN officielle, quand il y a trop peu d'articles, même pas 5 par an, quand les articles individuels ne peuvent pas télécharger, quand les URL d'application donnent de fausses informations ou quand il n'y a aucune information sur l'alliance, licence. Et quand on fait un examen complet,
On peut aussi avoir un rejet par des informations incorrectes dans n'importe quelle question. Quand il y a les informations qui ne sont pas claires sur le site web, quand les informations données par cette revue ne sont pas les mêmes dans les différentes langues, parce qu'il y a des revues qui publient en différentes langues, par exemple en farsi, et en anglais, en français et en espagnol, n'importe quelle combinaison. Alors, il faut avoir les mêmes informations. Quand le processus d'examination en PRS est inadéquat, quand la politique en matière de licence et droit d'auteur n'est pas claire ou quand il y a un conflit là-bas, quand la revue fait de fausses déclarations, ils sont déjà indexés dans le DOAJ et ils ne sont pas, ou bien ils sont indexés dans le Scopus et ils ne sont pas, ils sont enlevés après le triage. Et quand la revue n'applique pas de bonnes pratiques de publication, par exemple, ils peuvent demander à l'auteur de le publier ailleurs dans 5 ans, ou ils demandent à l'auteur de faire des références sur des articles dans les mêmes revues qu'on a publiées là-dedans, c'est pas possible. C'est pas de bonne pratique. On a une aide possible. On a les ambassadeurs, surtout en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui sont là disponibles pour vous. On a aussi des aides en ligne, un guide d'application, une version des références du formulaire qu'on peut télécharger. Et ça, c'est la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tom. Il y a une question, Fadima. Est-ce que quel effet d'être indexé avec AGL et je ne crois pas que qu'est-ce que c'est l'OMS pour faciliter l'indication à DOJ? Oui, quand on est dans le AGL, il y a un programme spécial qu'on a maintenant et Judith s'en occupe beaucoup pour regarder et examiner ces revues. Et surtout, il y a un système étoile avec les revues là-bas. Quand il y a les plus bonnes revues là-bas, ils sont acceptés presque immédiatement dans le DOAJ sans beaucoup de révisions. Il y a d'autres qui faut faire un peu plus de travail. Et ils sont aidés par notre équipe, par Judith et par les autres, pour avoir les critères de DOAJ. Alors, être dans le AGL n'est pas suffisant, mais ça aide. Et il y a un programme spécial pour ces revues-là. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? S'il vous plaît, écrire votre question dans le Q&A ou le chat. C'était très clair. Merci beaucoup, Tom. So maybe let's give another minute if there is a question. I don't see any, so I guess we can close this webinar now. And there will be another webinar next Thursday. We will also start in English and then we'll switch to French. So
Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Et merci pour faciliter tout ça. Il y a une question de Karim. Les fréquences de publication, est-elle sacrifiée sur l'autel de la qualité éditoriale? It's a large question. la fréquence de publication est-elle sacrifiée sur l'autel de la qualité éditoriale? Non. Il faut réfléchir. Je pense. Oh non. Je peux pas répondre là, je pense. Alors quand il peut-être ça veut dire quand il y a beaucoup de des articles qui sont là pour être évalués. Quel est un rapport entre qualité éditoriale et le nombre de des articles publiés, un truc comme ça. Et je pense qu'il faut savoir qu'on regarde beaucoup. Combien de temps ça prend pour réviser un article. Alors, quand il y a un article publié et la publication, cet éditeur dit, c'est soumis le 1er juin et c'est publié le 20 juin ou le 15 juin, là, ça ne va pas, parce qu'il faut avoir un certain temps pour réviser les articles. Alors, il y a un rapport entre la qualité de révision et le temps qu'il prend pour publier et le nombre des articles qu'il faut publier avec un certain nombre d'éditeurs, je pense. Merci beaucoup. Oui, Kamel écrit au minimum, il faut publier 5 articles par année pour rester dans les DOJ. Merci beaucoup, Kamel.